Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve, je vais vous transmettre un message dans votre santé, bien-être spirituel. On va voir, message du jour. Donc comme toujours, j'ai écrit, je vais partager avec vous. Allez, on y va. Alors, santé, bien-être spirituel, et on va voir le message que je peux partager avec vous. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires. Merci pour vos likes, pour vos vues, pour tout. J'espère que vous vous portez bien. Alors, c'est du général. Vous faites bien preuve de discernement. Je ne sais pas du tout à qui je m'adresse. Vous faites bien preuve de discernement. Vous promenez uniquement si cela résonne au plus profond de vous. Hein. Alors, qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc là, aujourd'hui, il va vous être fait. Vous allez recevoir, récolter selon votre foi. Récolter matériel, immatériel selon votre foi. Alors, aujourd'hui, on vous dit aussi, on vous rassure que votre cœur ne se trouble point, donc que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas non plus. D'accord? Parce qu'il va vous être fait selon votre foi, donc il va y avoir quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive de réconfortant, de rassurant, de pérennisant, de la paix, de la tranquillité, du calme. Il y a du réconfort, il y a beaucoup, il y a une grosse dose de réconfort, de chance qui arrive à vous. Voilà, dans votre santé, dans votre bien-être, dans votre spirituel, mais ça peut être aussi les autres domaines de vie, hein. C'est possible. Voilà. Ok, alors je vais prendre ce magnifique oracle. Alors, santé, bien-être spirituel, ici. Chaos. Alors, je vois, peut-être qu'il y a une personne qui s'est trompée, elle a échoué. On vous conseille en tout cas de vous relever et de reprendre et de continuer. Donc, reprenez, continuez. Peut-être que là, vous êtes KO, vous vous êtes aperçu que vous vous êtes trompé. Bon, ça peut être dans n'importe quel domaine. En tout cas, voilà, on se rend compte qu'on s'est trompé, qu'on a échoué. Et on vous conseille de ne pas rester KO, de vous relever. D'accord? De reprendre de la force, du courage, de reprendre et de continuer. Il y a une belle chance. Alors, chaque jour, un nouveau jour et une nouvelle grâce. Donc là, il va y avoir une nouvelle grâce. Beaucoup de chance qui arrive. Même si vous vous êtes échoué, même si vous vous êtes trompé. Vous allez pouvoir vous relever, reprendre et continuer. Il y a de la chance. On vous recommande de suivre vos plans personnels. Participez aussi activement à votre épanouissement. Participez activement à votre épanouissement. Votre épanouissement, c'est le vôtre, c'est pas celui des autres. Pour après apporter votre épanouissement. D'accord? C'est pas les autres qui apportent notre épanouissement. C'est soi qui apportons notre épanouissement. D'accord? Donc si on a de la tristesse, eh ben, on peut donner que de la tristesse. Et en retour, on nous redonne encore plus de tristesse. Parfois, c'est possible. On me parle. Alors, je partage. Je partage le message que j'ai écrit. Hein. On me parle d'une guérison. Je vois une guérison qui continue. Je vois la fin d'une guérison. Vous serez guéri. Il y a une guérison qui s'arrête pour une personne après la pleine lune. Du 6-4. Alors, une fois que la guérison va être terminée juste après cette pleine lune du 6-4, mais pour moi, vous allez le ressentir au plus profond de vous, hein. Une fois que ça sera terminé, ce sera vraiment fini pour toujours, hein. Vous serez guéri. Alors, patience, hein, encore un petit peu de patience. Plein de courage aussi. Vous allez réussir, hein. Vous allez vraiment réussir à guérir en totalité, d'accord? Ne perdez pas, voilà. Encore de la patience, du courage, beaucoup de courage. Je vois que le moral va revenir au beau fixe aussi, va remonter. Votre moral va remonter dès aujourd'hui, d'accord? Ensuite, là, on continue la guérison, votre guérison. Et après la pleine lune, la guérison se stoppe. Et vous allez réussir. D'accord? Et vous êtes extrêmement protégé sur votre santé, sur votre bien-être et sur votre spirituel.
Voilà tout ce que je pouvais vous transmettre pour aujourd'hui. C'est un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait, vous désirez le faire. Chouchoutez-vous bien, je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. Très très vite.